Jodi a, nous tous ces haïtiens nous. Haïti pap jam mouri. Nous pral camper, nous pral bay li force. Haïti! Ensemble, agissons pour Haïti. Un petit geste derrière peut tout changer. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Nous avons un privilège, je dis, pour nous recevoir le Premier ministre Jean-Henri Séan. Alors, je me dis non. Eh bien, c'est Tout Haïti, d'accord, Radio Tout Haïti, et puis ACA TV, qui lui-même représenté par Jean-Béliard Lucien. Bon, bien entendu, nos femmes, c'est Eden Zeba. Nous avons rencontré le Premier ministre aujourd'hui hein, pour nous essayer de garder comment le pays en y est, comment l'actualité en y est, ce qu'a fait ici, en Haïti surtout, et qui ça, le Premier ministre, lui passé, lui fait, par bon ici. Premier ministre, bonsoir. Bienvenue dans New York. Bonsoir Edens, bonsoir Jean Béliard. Je suis venu déjà depuis le Premier ministre. Je te promets non. Je m'a fini pour l'interview. Et je dis, je crois beaucoup plus éduqué que je vais interviewer parce que je suis dans le cadre de dialogue qui est ouvert. Je vais rencontrer tous les partis de l'opposition. Je vais rencontrer les personnalités de l'opposition. Je vais rencontrer les personnalités qui sont neutres. Et dans le cas ça, où on est attaché à la diaspora, moi j'ai fait tête, j'ai une obligation de passer dans la diaspora. Donc, évidemment, je ne vais pas passer de tous côtés. Même quoi, les fleurons de la diaspora, elle me dit ça, côté qui est plus haïtien, m'a parlé de Miami, m'a parlé de New York, moi je crois que je ne vais pas entrer dans un processus de dialogue. Moi pas contacté et même visité quelques leaders dans la diaspora. Et autant que m'a bien temps, m'a fait à Montréal, m'a capable faire Boston et m'a fait avec les amis nous qui sont en Europe. Même m'a capable parler d'un voyage, le ça, nous capable faire le téléphone. Mais l'objectif PAM c'est vraiment ouais tout le monde. Et moi-même, moi toujours crois dans ouais tout le monde diaspora qui autant de nécessité pour nous parler avec lui que le monde l'a créé. Parce que la diaspora est un pile de capoté. Et donc, je dis, c'est dans la rencontre que je fais, très peu de temps, mais beaucoup de besoins, je me dis, il faut que je rentre, je me finis en série de leaders en Haïti, il faut que je rentre. Donc, c'est dans le cadre de ça que je me dis, quelques personnalités, et c'est avec plaisir que je vais nous interviewer ça. Avant que je rentre dans répondre aux questions, et je voulais féliciter non et touthaïti.com, touthaïti, et ACA TV. Mais je veux toujours reconnaître que diaspora est vraiment très portée par la presse. Parce que les références de la diaspora, quel que soit attendu, quel que soit compétence qu'on ait dans la diaspora, ne sont pas attendu des gens qui parlent. Et si la presse n'a pas ouvert le micro, ou pas comprendre ce qui a passé dans la diaspora véritablement. Donc, je prends l'opportunité pour être capable de vous condoler en ce moment à la famille et aux amis qui mourent. C'est un petit gros journaliste qui vit dans la diaspora, et un petit gros journaliste haïtien, tout court, que c'est Émile Pierre qui fait que passer dans l'autre vie. Donc, je voulais vous condoler en ce moment à la famille, mais surtout à nous-mêmes, de la presse, je voulais dire nous. Vraiment, et merci c'est parti. Je vais venir pour ça, mais je vais venir dans les nouvelles là. Je vais passer sous silence le moment ça pour me dire qu'on nous l'a pas. Bon, Premier ministre, c'est Jean-Béliard Lucien. Bon, je suis obligé de faire formellement. Où t'as créé comme Premier ministre, en plus de mon intérêt, ouais, en possibilité de un second souffle pour le gouvernement. Mais cependant, c'est sous les feux de la mitraille où on entré. 17 octobre, 6-7 juillet, 17 octobre, non, avant 17 juillet, 17 octobre, 18 novembre. Nous vivons un pays qui vraiment fossilisé longue crise. Où mon mission, je veux dire, est-ce qu'on a un moyen de politique, Michel Roy? Bon, est-ce qu'on a un moyen politique, mission? Je crois que c'est justement sur des moyens que vous avez compté qui fait
tout le monde pensait que je suis capable de porter un boom dans la situation. Après 6-7 juillet, tu as vraiment une grande inquiétude qui t'a traversé le pays. Tout le monde est préoccupé par qui ça parle passé par rapport à la situation que 7 juillet a créée. Et c'est ainsi que nous tenons mouvance de chercher un premier ministre qui est capable de communiquer à tout le monde. Et bon, quand il parlait que fait, quand il le monde cogitait, etc., jusqu'à ce que le profil ait été répondre à Mounsa, que je pensais que le pays a cherché. À Mounsa, qui était reçu un appel pays. Et malgré réticence amis, réticence famille, et la peur même qu'on était capable de pouvoir aller au-devant de cette scène politique qui était vraiment extrêmement difficile, moi répondre à l'appel de mon pays. Et je crois dans le cas ça. Pour moi, répondre directement à ma question, l'ingrédient le plus important, c'est l'ingrédient de la capacité de dialogue de monde. Je ne sais pas si c'est quoi ses compétences, mais c'est capacité de parler avec tout le monde, mettre tout le monde ensemble, convaincre le monde, à rejoindre le monde qui est plus difficile. Yo. Et c'est ce chance ça que moi-même, moi, j'ai que je crois pays a rien. J'ai un petit pays qui est d'accord. Et qui d'accord mettre toutes les ressources li, au service du pays. Et les ressources principales, là, c'est capable de faire un monde parler avec l'autre. Parce que c'est toujours credo pas. Quel que soit le problème que j'ai dans le pays, il faut nous commencer à dialoguer ensemble. Nous gagnons depuis 1986 plus de 30 ans, on a boumé pour nous changer personnel politique là. Et ça fait que nous toujours avons une instabilité, on a boumé l'un à l'autre. Mais nous ne pouvons jamais mettre nous l'un à côté de l'autre pour nous boumer ensemble, pour nous changer le système. Et c'est ça que je m'en ai. Et c'est vers ça que je m'en ai. Et c'est pour ça que je crois que quand on a des gens qui vraiment qui animé de patriotisme que nous connaissons nous-mêmes, surtout dans la diaspora, nous gagnons. Moi, qu'on est souffrance, nous avons regardé la voyage en pile, côté nous y est, nous avons regardé les services qui gagnent dans le pays, nous avons regardé comment ils gèrent l'administration publique, et puis nous, ouais, la caille, comment ça passe. Et il y a une compétence dans la diaspora qui t'a la caille, à l'aider, non. Le problème, c'est le système. Donc, je dis, moi, je dis, ingrédient que le pays a besoin, moi, gagne, c'est ma capacité d'aller chercher le monde. Les moyens de ma politique, c'est ça, il n'y a pas plus que ça. Ce n'est pas compétence, ce n'est pas moyen que je gagne. Ce n'est pas seulement volonté. Oui, je gagne volonté, je gagne détermination. Même quoi que je gagne, il y a un élément qui est important, c'est ça. C'est le dialogue que je prône depuis toujours. Ce n'est pas qu'on y a. Depuis toujours. Et ça me dégage tout en tant que personne. Relation avec le monde. L'humilité que la gagne. Et croyance, moi, que nous, tous haïtiens, au fond de lui, quel que soit côté le branché, quel que soit le parti politique d'appartenu, au fond de chaque haïtien, qui est l'amour pour ce pays qui a souffert, ce pays qui a gémi, mais qui est l'amour dans le cœur. Et c'est à l'amour ça. C'est n'importe l'amour ça me frappe, et me frappe en pile côté, nous avons dit non, en pile mon répond. Alors, PM, on est le, par exemple, pour dire dialoguer. Okay? Alors, le deux mondes d'accord pour dialoguer, en fait, et chaque fait, il y a une confiance. Tu avais dit que je fais confiance et que de bonne foi. Et ou fais confiance que de bonne foi. Maintenant, ça nous voit qui a passé là, et au niveau du dialogue, ça, que vous même entamé, a gagné. Et secteur opposition qui lui-même est pas fait pouvoir confiance. Il dit que il n'y a pas de dialogue. Et il met des conditions pour dialoguer. Par exemple, il y a une condition que vous mettez pour dialoguer. Yo dit faut question président, eh bien mandat président, yo dit faut qu'il sous table là. Maintenant, dans le dialogue ça a pour commencer hein, et qui ça feedback yo. Bon, me comprendre ça et c'est vrai c'est comme ça l'exprimer. Même toujours dit à tout le monde. Dans le dialogue pas d'action. Un principe n'est pas d'action. Ou pas qu'on va dialoguer vous dit de toute manière, on va passer n'importe là. Non, ou pas qu'on va passer n'importe là. Mais on va marcher vers la porte. On va marcher, on va voir votre porte, dit ouvrons notre porte, n'aime pas passer n'importe ça. Et oui, c'est la question de la confiance. Et relation de base que je me développé avec tout le monde qui est en opposition, côté de moi, je suis en GG vite. Il y a un monde qui oublie que moi, c'est un monde qui était gourmet en face du président.
Maintenant, j'ai vite pendant un an, jusqu'à ce que vous fassiez élection. Donc, les relations que je développais avec mon ça, les relations que je développais avec tout le monde, pas oublier, je suis dans métiers qui sont métiers transversales. Côté, je parle avec mon qui est plus bas jusqu'à mon qui est plus haut. Et c'est son métier basé sur la confiance, le dialogue avec les gens et les rapports humains. Ces rapports humains-là, fait dégager pour mon yo, yon minimum qui fait que vous posez une question. Et si médecin te mérite confiance? Donc c'est ça qui vous reporte là. Je ne suis pas là tout le monde. Je ne pas là tout le monde. Opposition qui est l'opposition radicale. Je ne pas toujours croire que vous une opposition qui est radicale. Une opposition qui est une position de radicalité à un moment déterminé. C'est normal. Opposition radicale, elle n'est pas capable d'être radicale. Si demain matin, son monde parle qui monte au pouvoir, elle n'est pas radicale. Donc, à un moment de la conjoncture, on a une position radicale. Mais l'amour au pays, comme nous disons, je me toujours pour elle, aucun effort ne doit être au-dessus de l'amour au pays. Et c'est dans l'amour ça a mal. Et qui fait que, quand il y a monde qui pensait que il y a une chance que nous sommes capables de gagner, l'opposition pense le tout. Il n'est pas arrêté totalement sous cours de raide là. Il aurait été vraiment sous ça a demandé de fondamental le départ du président. Bon, on va discuter avec eux. Le départ du président, et c'est pas comme ça qu'un président allait. Premièrement, son président que le peuple a été nommé, il est élu. Le peuple a élu président par rapport à tout l'autre monde qui était candidat. Donc, on confie ce que le peuple a fait, il a un mandat. Et mandat, ça, oui, c'est dans le principe démocratique. Là. Justement, le mandat du président doit être respecté pendant les 5 ans. À moins qu'on soit capable de faire un renversement et pas une révolution. Nous sommes dans un stade, ça. Nous sommes dans un stade que il y a des gens qui n'est pas d'accord avec une gestion que le président fait. Ok, eh bien, on met la question. Pour qui ça m'a mis la question. Et c'est pour ça que nous sommes capables de faire ouverture là. Et c'est ouverture ça qui va permettre que nous partagions les responsabilités ensemble. Avec des oppositions, on dit bon, ok, je ne vais pas gérer là, je ne vais pas le président Jovenel, je ne vais pas le dit, mais d'accord, pas de problème, pourquoi nous n'avons pas le. Pour qui ça, nous ne pas garder ensemble pour les difficultés que nous avons, pour venir assumer avec nos responsabilités là, quelle place pour nous. Vini, nous avons chita en dans gestion, dans la gouvernance ensemble. Et puis, on a regardé pour nous, est-ce que c'est par mauvaise foi que des bagages nous parlent, mais que le président fait? Ou bien est-ce que de bonne foi, est-ce que vision est bon, mais est-ce que mécanisme, c'est pas eux-mêmes, là-dedans, qui gagnent des déficits, qui fait que nous pas alignons dans l'articulation que nous voulons faire ensemble pour nous arriver à changer le pays? PMC, hein? Vous vivez dans un moment de crise. Crise là, pas tout à l'heure. C'est résultat. Donc, praxis politique qui ne vient pas à renouveler. Très bien. Je dis à vous avez des alliés politiques qui, ou même, monde qui est capable de venir négocier en sortie. Mais c'est pour ça, soit c'est traditionnel, côté nous parlons, font changement de personnel. Deux fois, nous devons faire une interview, on dit c'est ma compétence. Peu pas ici, hein. Quelle est leur compétence? Et c'est ma compétence qu'on va le mettre là pour la privé en phase dans un système qui est en crise qui pourra accoucher en l'autre. Est-ce que c'est seulement bonne volonté là? Très bien. Et là, je dis pas compétence, je dis pas compétence seulement. Compétence est nécessaire. Parce que je connais que et nous ne sommes pas capables de changer le pays si nous avons des gens compétents. En même temps, on le reconnaît. Quand il y a des gens compétents qui passent, le pays n'a pas changé. Donc, la compétence à elle seule ne suffit pas. Il y a des autres bagailles qui peuvent venir avec compétence là. Et ces bagailles, ça, parce que, ouais, crise ça, 6-7 juillet, même moi, je dis, 6-7 juillet, le pays passait au bord d'une grande catastrophe. Et aussi, même moment on a vécu, on est capable de dire, c'est des moments qui, très souvent, annonçaient un chambardement au chaos. Mais moi-même, au fond de moi-même, quoi, cette crise, c'est la meilleure opportunité pour le pays. Côté que, définitivement, nous pourrons chita ensemble pour nous voir, j'ai mangé, sans mentir, que le pays a besoin de tout. Les besoins, Jean-Bertrand Aristide. Les besoins, Beauplan. Les besoins, Calarien-Souenois. Les besoins, Gardien Leblanc. Les besoins, Jovenel Moïse. Les besoins, Jean-Henri Seyan. Les besoins, tout le monde. Les besoins, Jean Béliard, les besoins débat, etc. Ça n'a fait là. Mais sûr que au fond de nous-mêmes,
chaque soir, nous dormons, nous rêvons comment nous sommes capables de jouer pour nous mettre ensemble pour changer le pays. Mais il faut en chercher. Donc, et c'est ça qui est l'opportunité pour nous aujourd'hui. Côté nous tous faibles. Côté nous tous responsables de sa rivière. Tout le monde est responsable de sa rivière. Parce que nous acceptons, comprendre. Après Duvalier, 86, nous sommes animés donc à hauteur pour nous changer le pays à nous tous. Qui ça nous fait? Nous tous les démocrates. Nous gommons, jusqu'à ce que nous venons. Donc, nous avons une voix qui n'est pas la voix réelle. C'est la voix de la violence, la voix de gommer, la voix de « you n'a pas au toit que je m'y mette ». Je dis à ce moment privé, et c'est ça, si c'est Dieu annoncé, non. La voix se présente devant nous aujourd'hui. Elle est une, cette voix. C'est la voix du dialogue. Mais la tradition à la vie dure à la PMC. Et la situation qui est là, je vous dis, il faut admettre qu'il y a des gens qui profitent de lui-même. Il y a des gens qui attendent une transition pour le faire pour eux, qui passent pour eux, d'habitude à vivre dans la politique en Haïti. Tenez. Mais est-ce que pour nous être face à la situation, ça, ou même, ou entre la plume et le marteau, est-ce qu'on va risquer de passer comme un héros pour certains et comme un traître pour d'autres? Et on victime pour l'autre aussi. Bien sûr. Très bien. Mais moi, quoi, ça qui est passé, c'est 7 juillet. C'est 7 juillet. Alors, une question que j'aime poser. Est-ce que j'aime poser peut-être une question pour que ça, si 7 juillet, au fort de l'agressivité de monde qui est dans la rue, de la volonté de violence qui t'a dégagé, et puis, ouais, tout le monde était au campé. Pourquoi je personne j'aime poser cette question ça. Il s'est arrivé un moment où tout le monde. Le Rwanda était là comme exemple. Tout le monde, même qui était dans la rue, qui t'a mis du feu, qui t'a tué, mon, etc., tout le monde était peur. Et puis tout le monde dit, halte là, en garde. Et bien c'est pour ça que je ne fais pas peur. Entre l'enclume et le marteau, oui, je suis entre l'enclume et le marteau. Et c'est ça, oui, ma petite effet. Fais enclume dans tous les marteaux, fais maintenant tourner enclume. Et puis c'est ça, la dynamique, ça, pour nous dégager tout le temps, jusqu'à ce que tout le monde comprenne, pour nous, c'est en même temps enclume, en même temps marteau, et puis. N'a pas démarré le pays. Même quoi, après 215 ans, c'est le moment arrivé. Le moment arrivé, tout bon, parce que pas quoi. N'a pas traversé le moment sac là, aujourd'hui, sans que nous pas ensemble joignent un moyen que nous mettons ensemble dans l'entente, l'harmonie, la solidarité et la fraternité pour nous dire ah, nous obligés d'embarquer avec Jovenel, nous obligés d'embarquer avec. Bon plan, obligé à Aristide, obligé à Moïse Jean-Charles, à tout le monde. C'est certain, il y a des gens qui vont aller dehors. Il y a autant pour être dehors. En attendant, ils comprennent que ce qu'ils ont fait là, il n'y a pas qu'à faire 100 euros pour entrer dans la bataille. Mais moi, c'est le moment des grands combats, le combat contre l'analphabétisme, le combat contre les gens qui ne sont pas à l'école, le combat contre mon qui pas qu'à une santé, le combat contre mon qui pas qu'à une carburité, le combat contre mon qui pas qu'à une manger pour le manger, le combat contre tout pareil, tout fléau. Je dis à ces moments arrivés. Et même Abdouli, moi, dégagé des moments, moi, très peur ça qu'arrive au pays. Mais en même temps, qu'on sourit le plus souvent retourner sur les mains, et puis me dit, c'est le bon moment. Et n'a pas marché pour tout le monde pour qu'ensemble, nous allons sur notre chemin. Alors, il y a une opposition, on parle de dialogue, et opposition dans l'agenda par là, lui-même, il y a une conférence nationale qui positionne sur la conférence nationale. Eh bien, c'est exactement ça. Hein? Dialogue là, point culminant dans la conférence nationale. Maintenant, il y a trois phases. Il y a une phase du pré-dialogue, c'est ça, m'a fait la rougnie, m'a pris les mounes dans le téléphone, m'a parlé avec les mounes. Oui, je viens là, regardez, il y a peut-être les deux plus grands, ou bien les deux des plus grands journalistes ici, les mieux connus qu'il a avec moi. Et maintenant, au moment de pré-dialogue, au moment de dialogue formel. Et dans le moment de dialogue formel, ça, il y a une question pour le débat. On va parler de Petro-Caribe, on va parler de la gouvernance, comment on a fait, une gouvernance inclusive. Ah ben, comment on a fait? Nous pourrons parler de toute l'autre question qu'on est qui compte faire fâcher pour nous arriver vers quoi? Vers le point culminant qui est la conférence nationale. Il faut en parler de l'élection. Comment nous pouvons faire l'élection là, je veux dire. Est-ce qu'on pense que nous pouvons faire l'élection là, je veux dire, si nous ne pouvons pas ensemble actuellement? Nous ne sommes pas capables. Parce que nous ne pouvons pas la partie politique. Ok, nous avons CEP.
à qui CEP a fait? Est-ce qu'on a besoin d'un fonds CEP permanent? Est-ce qu'on va faire avec CEP qui l'a? Est-ce qu'on va faire avec un CEP qui est au plâtré? Ou bien est-ce qu'on va faire avec un nouveau CEP? Bon, moi-même, ma opinion, pas moi. Et c'est CEP qui l'a, je pense, si nous avons besoin d'une élection, par rapport à tant que était loin, c'est CEP qui l'a qui peut s'indiquer. Mais vous n'avez pas dit non, CEP ça, après l'élection, vous n'avez pas campé dans la rue, vous avez dit, vous n'avez pas d'accord, CEP ça, c'est l'élection, vous n'avez pas d'accord, pour voir, vous n'avez pas d'accord, vous n'avez pas d'accord. Il faut nous parler, il faut nous discuter. Si nous voulons l'élection faite en 2019, il faut que nous parlions, nous discutions jusqu'à ce que nous soyons d'accord sous formule CEP pour faire l'élection. Loi électorale, là, qui loi électorale? Combien de sénateurs pour aller à l'élection? Vous comprenez bien? Ah ben, non, mais question à poser. Combien et qui? Donc, c'est une question à poser. Il nous faut absolument. Bon, face à Christophe, est-ce que la démocratie a lui-même. Dans le type de démocratie libérale, alternance ordonnée, il va arriver en phase, dans l'impasse là. Il parle d'impasse, si nous parlons, il parle d'impasse. Non, mais ça veut dire que le système n'arrive pas dans le bout de l'île. Système n'arrive pas dans le bout de l'île, mais voilà, nous pourrons changer avec la conférence nationale, nous pourrons changer avec l'amendement qui nous fait dans la Constitution. Voilà, mon autre question. Est-ce que dans le débat, dans le dialogue que nous pourrons faire, nous pourrions réforme constitutionnelle totale? Ou bien est-ce que nous pourrions amendement de la Constitution? Tout ça. Mais c'est toi de cachevaucher, Premier ministre. Conférence nationale, élection, c'est deux démarches qui vont concilier, non? Bien sûr, qu'à concilier. Élection, faut faire. Faut faire élection pour capable bien renouveler le personnel et parlementaire. Faut faire élection. Pendant ce temps, marche à conférence nationale. Monsieur, la conférence nationale, elle va prendre un an. C'est sûr. Il n'y a pas pour un an. Mais si la conférence nationale, l'aboutissement de la conférence nationale, lui dit il faut réduire les mandats des députés, par exemple, ou des sénateurs, mais il faut aller là. Si tout le monde est d'accord avec la conférence nationale, là, nous ne sommes pas d'accord tout. Résultat, la conférence nationale là-bas. Donc, c'est pour ça que je dis il y a une série de questions qui peuvent être posées sous la conférence nationale. Là. La conférence nationale va respecter des principes. Mais en même temps, la conférence nationale, là, dit qu'on côté la mais non, on côté la privée avec nous. Alors, et on est que vous prenez la machine dans la route, ça veut dire que vous venez premier ministre avec un président qui lui-même gagne presque, capable de dire, 2 ans au pouvoir. Maintenant, est-ce que le plus souvent qu'on arrive que le président passe aux même longueur d'onde avec le premier ministre? Maintenant, ou même, ou capable de consentement par rapport à dialogue, par rapport à conférence nationale, très ouvert, et voulez quand même chiter ensemble avec les partis politiques. Est-ce que le président, sous même longueur, donne ça? Est-ce que le président d'accord avec une question conférence nationale? Ça participer de toujours dialogue. Je comprends bien. Et ça expliquait le président de le premier ministre, qu'il était bien aimé, il a bien vivre avec le premier ministre. Bon, le premier ministre est tombé. Président, qui ça explique le président cherchait dans l'opposition? C'est parce que justement, ils ont besoin de la rencontre, ils ont besoin de construire dans la diversité. Cette diversité, justement, le président a une opinion sur ce débat. Moi, j'ai une opinion sur ce débat. Mais c'est bien regardé, j'étais candidat à la présidence, moi, j'ai une vision qui n'est pas trop loin de la vision du président. Maintenant, le mécanisme de mise en œuvre, c'est pas le même bagaille. C'est toute la journée, on a recherché nous. C'est toute la journée, là, pendant nous. Je dis à la président Gombagan, je ne suis pas d'accord avec lui, je discute avec lui, jusqu'à ce que nous jouions nos jeunes d'accord. Demain, si Dieu veut, c'est moi-même, il n'est pas d'accord avec moi, jusqu'à ce que nous jeunes en jeunes d'accord. Nous, pas toujours d'accord, et débat même avec madame Wabi Nakaye. Elle a levé le matin. Ou pas toujours sous même longueur d'onde avec lui. Mais, ou même à madame, nous connaissons, faut que nous entendons nous pour qu'elle a bien géré. Faut que nous entendons pour nous finir les journées. Faut que nous entendons pour nous à l'école. Même dans le choix à l'école. Vous avez choisi de l'école, maintenant nous choisissons l'autre. Mais nous parlons, nous dialoguons jusqu'à ce que nous arrivions à l'école, nous connaissons bien pour Timoun, pas vrai? Pas pour nous. Donc et ça veut dire que même à président, nous entendons sur l'essentiel. Nous entendons sur l'essentiel et Mkadjo, c'est l'harmonie entre le président et moi-même. L'harmonie parfaite. Et tous les jours, c'est vrai que dans la langue, dans mon débat, ouais. Tous les jours, nous sommes capables de gagner des points de désaccord. Mais ce qui est important, c'est que nous connaissons pour le pays, cap dirigé. Il faut que nous mettions d'accord sur ce qui est bon pour le pays. Et c'est une APC convaincre l'autre sur qui est bon bagaille qui est bon pour le pays. Mais nous arrivons à entendre nous. Et Mkazo, c'est l'harmonie entre le président et moi-même. Il y a des gens qui sont contents, mais il y a un problème avec le président. Oui, c'est certain.
faut qu'il y ait un problème. Pour le jouer, ou vivre avec un monde. Pas j'aime mon problème, on a tout ça, on a tout connu, on a la matière. On a pas parlé de la PM, et première fois en politique, on a dit l'harmonie conjuguée au plus que parfait. Non, non. Alors, ça vous connaît bien. C'est parce qu'il y a une recherche. C'est parce qu'il y a une recherche de entendre-nous quand même. Quel que soit ça lié, on dit président, je dis pas d'accord avec moi, nous discutons toute journée. On dit président, elle dormi. Demain matin, n'a pas parlé. Demain matin, elle est levée. Ah! Médecin. Mon cher, vous avez dit, c'est vrai, je dormi, je me levais, puis l'homme gardait moi. Vous avez dit, non, c'est vrai. Nous, on a une semaine, tout. Nous pouvons mettre nous d'accord sur le bagage. C'est normal. La vie humaine est faite de ça. Et moi, toujours dit, c'est dans la diversité qu'on construit les meilleures choses. Vous voyez, hôtel, ça? Si c'est. Eh bien, on a un ingénieur qui bâtit. Il y a une quantité d'ingénieurs. On est qui se fait hydraulique, on est qui fait électricité, on est qui fait béton en mer, on est qui garde aliments, on est architecte, etc. Chaque monde s'assoit dans l'école, très souvent. Eh bien, ils mettent tout ensemble, ils font concession pour l'autre, et puis jusqu'à ce que, bon, œuvre parfaite. Mais en dépit de harmonie, ça, parfait, ça, quand même, qu'on essaie d'expliquer. Hein. PM, et la rue, hein. Et Haïtiens ont perception de pouvoir, de pays, hein. Je dis que le pays n'est pas dirigé. Parce que si il y a abonné, et quand même gagné des efforts, gagné des bagages qu'on a senti, qu'on a pu faire. Et pour qui sa perception ça? Bon, c'est bien belle avec ce titre là. C'est ça, répondre à un bagage qui commençait depuis longtemps, mais c'est 215 ans. 215 ans nous fait, nous avons boumé, nous avons clôt. Nous fait 215 ans, nous avons détruit un idéal. Nous sommes capables de parler même de l'idéal des Aliens. Ça fait 215 ans, nous avons montré que nous parlons de l'autre. Et nous avons même nous montré même que nous parlons de pays. Non. C'est la destruction systématique. Mais regardez bien. La République dominicaine, qui démarrait en 1980, ça m'avait nous. En 1996, la République dominicaine décidait que pays ça va le développer. 1991 pour nous, 1991 pour la République dominicaine, nous connaissons. Per capita, regardez comment on est. En 1980, per capita dominicain, en 1991, par la terre dans trois fois par nous, je veux dire 10 fois. Je veux dire 765 dollars par personne. La République dominicaine, c'est 7062 dollars. Donc, est-ce que ouais, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gagner une dynamique que nous entrons là-dedans et nous pas entendre une fait back pour l'autre parce que une pas entendre l'autre. Maintenant, je dis là, c'est le moment pour nous faire constat. Ça y est, qui est grave, qui montre que nous tout honte de qui pays nous gagne, nous honte de comment pays a géré. Nous pas qu'à dire pas rien qui fait. Il y a un pile bagarre qui a fait. Mais tellement de bagarre qui vous fait, bah, tout ça qui a fait, paraît même signifiant. L'autre jour, je m'en parle à mes amis qui disent, par exemple, on parlait de budget, je me dis le budget. Regardez bien. Année ça, moi, fait rentrer, m'entendre avec le président, que nous prenons des ministres. Finances là pour faire coupure dans le budget palais national, budget primature et évidemment budget du Parlement. Parce que nous décidons à naissance, c'est un budget qui a un caractère très social. Et tout comme nous retirons ce budget, ça, nous mettons sur santé, nous mettons sur éducation, nous mettons sur sécurité, nous mettons sur la police. Nous mettons sous tout ça qui doit, nous mettons sous ULCC, nous mettons sous UCREF, parce que nous connaissons, nous connaissons, nous connaissons, nous connaissons, nous connaissons, nous connaissons, c'est certain. Nous mettons tout bagaille ça yo, à l'intérieur de ça, nous demander, ça nous dit qui doit refléter le caractère social qui doit adresser le problème peuple là, adresser le problème manger peuple là, qui n'a pas manger, adresser le problème l'école, comme les parents. Depuis juin, et jusqu'à présent, vous n'avez pas de petit. Donc, nous devons comprendre qu'il y a des choses qui sont faites. Il y a travail qui est fait, monsieur. C'est dans le pays où il y a un travail qui est fait. Il y a un travail d'infrastructure qui est fait. Il y a un travail de saleté, il y a un travail qui est fait, il y a un percé qui est fait. Mais tellement, il y a des choses qui sont faites. La création d'emplois est difficile, nous n'avons pas gagné de stabilité. Mais il y a un premier problème de rien. Et c'est ça qui fait, le dialogue est nécessaire. Côté que, faut monde par la monde pour que nous fassions trêve. Et trêve ça va permettre que nous allions dans la stabilité. Et stabilité ça va permettre nous bien sécurité. Et stabilité ça va attirer touristes. D'accord, maintenant,
Mais je toujours dire, ma gestion PAM diaspora faite pour gagner des avantages particuliers et des privilèges particuliers pour être capable d'investir. Parce que qu'il y a un moyen dans la diaspora pour que, avec diaspora, pour compter, nous sommes capables de faire un grand développement pour le pays. Mais la diaspora n'a pas qu'à venir. Alors, là, on est capable de vivre dans le pays côté tout, sécurité sociale, assurance, toute qualité de bagaille. Il y a de l'eau potable pour mon emboué. Les toits de tous côtés, la canon, même sur même latrine, difficile. Donc, il faut nous reconnaître ça. Il faut nous faire constat. Nous avons gardé tout sous surventari, déboisement total. Rivière, l'un des petits timons, nous devons aller dans la rivière. La canon, qu'on est à la kibo. On cherche une rivière pour aller, on n'est pas capable de joindre. Donc, tout le bagage, ça a mérité qu'on prise en main, on prise en charge, qui fait, et ça, n'est pas qu'à faire avec un seul équipe, avec un seul. Bon. Premier ministre, nous sommes nous parlons de la Petro-Caribe, parce que c'est au fil de tout parler là, donc on va pas parler avant pour nous parler de Petro-Caribe. Vous connaissez une pierre d'achoppement de dialogue là. Parce que Petro-Caribe, c'est un cassure avec la tradition. Les nations ont capé la main des comptes à moi qui gouverne. Et les gens qui ont des comptes, c'est les gens qui indexent eux-mêmes, qui ont pouvoir demandé pour la justice. Que je ne parle pas tout vol, la question ça. On ne parle pas que je veux Ponce Pilate. Non, on ne parle pas que je veux Ponce Pilate. Alors, qui je ne parle pas sortir parce que, ou même, ou porter toutes les charges pour voir que, ou une Premier ministre, parce que c'est au premier. Pour voir tellement de problèmes, je ne veux dire. So, j'ai la dernière fois que j'ai rencontré avant, je vous son boxe à deux mains des dominotés. Je dis à mes deux sorties. Il faut montrer, est-ce que son Mohamed Ali qui va dépasser sous une là pour arriver à bâiller confiance réellement la question de l'État, ça, je veux dire. Parce que, encore une fois, après Flo, ce n'est pas la continuité d'après là. C'est l'État qui m'a dit bon cassure qu'il faut faire. Vous soyez. Pour vos missions là, président de bonne responsabilité, vous savez, je n'ai pas envie de vous dire, la vérité est au fond, puis vous pouvez descendre, vous jouez une vérité, ou pas qu'à monter. Il faut être fort sur la margelle pour attirer la vérité du fond du puits. Vous savez, j'ai très bien. Allez, alors, est-ce qu'on peut vous faire surface à la vérité? Bon, moi-même, moi toujours dis, on va gagner. Et je suis un homme de vérité. Je cherche la vérité. Et me parler la vérité. Moi, toujours demandé tout le monde, jugez-moi, pas jugez-moi sur ça, me bail comme résultat, jugez-moi sur les formes faites pour changer. Bail. Ok. Qui ça nous a fait maintenant, Petro-Caribe? M'a fait effort pour me chercher la vérité. C'est peut-être pas très facile. Et le nom Piru et puis devant, à comprendre, c'est pas très facile. Et comme on dit, contrairement à ça, on dit, c'est pour moi-même. Hein. C'est vrai qu'on a une raison, c'est un pierre d'achoppement. Mais pour moi, c'est un pierre d'achoppement, Petro-Caribe. Petro-Caribe, pour moi, c'est un détonateur. Détonateur qui peut mettre nous en situation pour nous chercher dialogue. Ok? De me montrer, moi, je prouve tout le monde que je décide de faire le jour sur la question de Petro-Caribe. Depuis le premier acte que je me pose, montrer tout le monde ça. Et on continue à marcher vers ça. Au sein du gouvernement, on task force qui abâme de bons résultats en ce qui me concerne. M'a gardé les résultats, m'a interrogé les gens, m'a cherché les compagnies, m'a produit sous la question Petro-Caribe, m'a prouvé comment Petro-Caribe commence véritablement à tourner un dossier côté mon balgré confiance dans le travail que m'a fait. M'a bail. Ou supérieur des comptes et support, moi baille et le tribunal, le CSPJ support, moi baille et commissaire gouvernement support, et moi baille tout gouvernement, t'as 60 support. Il t'a dit c'était 3 milliards 800 millions. Et bien, moi prouvé, sans que je ne me parle pas, je ne cherche pas défendre personne. Je ne vais pas chercher un passeport qui la donne. Je dis, monsieur, nous disons 3 milliards 800 millions, il y a quelqu'un qui disait 2 milliards, et un chiffre qui est indéterminé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais chercher toutes
et résolution yo. Et même près toute résolution yo, mené là, moi compilé yo et puis j'ai produit ce livre avec les résolutions de COP Petro-Caribé qui sont fonds. Là tout le monde fait une simple addition. Yo rendu compte que là pas 3 milliards 800 millions. C'est 1 milliard 700 millions, 1 milliard 800 millions. Mais est-ce que tu as des explications de sénateurs? Quelle explication? Mais Yuri, ensemble avec Beauplan, disant que gagnait en 600 millions les mêmes qui dans l'électricité, par exemple, et que nous pas comptabilisé ça. Alors, ils ont même fait recherche et sous totalité comme là. Ah non, non. Si c'est ça, il n'y a pas qu'un exemple. 600 millions, ça, il y a dit, c'est 2 usines qui construisent. Ça, on va quand même parler de lit comme quoi, Petro-Caribé. C'est 2 usines que les Vénézuéliens ont venu construire. Et bien, monsieur, c'est eux qui ont géré. On a parlé de COP Gaz. COP Gaz que 2 compagnies qui en Haïti n'a pas parlé de Sogener qui ont même bien en COP avec COP que l'électricité d'Haïti les mêmes. Tout comme la sortie dans la résolution. Si on COP pas sorti dans la résolution Petro-Caribé, il pas sorti dans le fonds Petro-Caribé. Non, dette, c'est usine. C'est usine que les Vénézuéliens ont payé un pile COP. Chaque mois, on paye un pile d'argent pour gestion de usines. Mais ça ne va pas mettre dans le COP là. Pas qu'à mettre dans le COP. On a cherché parce que vu que c'est mon Yobini. Est-ce que Sogener doué l'État haïtien? Sogener doué l'État haïtien, l'État haïtien aussi. Combien quoi? Bon, alors, on ne connaît pas les détails. Yeah, donc c'est comme ça. C'est comme ça, deux sénateurs ont parlé. De qui n'a qui ça? Comme que Sogener doué l'électricité d'Haïti. Et on compte que l'électricité. Ce général doué l'État. Mais non, justement. Ça n'a pas entré dans le rapport. Ça n'a pas entré dans le rapport. Ça n'a pas entré dans le rapport. Ça n'a pas parlé de projet. Son fonds qui est là, qui est approvisionné par des COP gaz qui rentrent. Et nous avons 60% pour nous payer, 40% qui permettent que nous nous mettons dans le fonds. C'est comme ça que là, dans Petro-Caribé. C'est pour faire des projets de développement. Donc c'est de ça qu'on a parlé. Et je me dis, on commence à les compagnies. Les compagnies qui ont gagné un contrat avec l'État. Et je me dis, en primeur, devant la presse là, que d'ici la semaine prochaine, nous allons publier un livre, même Jacques ça, qui gagne tout contrat là-dedans, que tout le monde a gagné. Mes contrats, mais à qui on a fait, mais combien de cobres, et mais. Combien le que l'État avançait déjà. Donc, pas rien de la donne. Eh bien, on va avoir une information. À partir de ça, on commence à les compagnies pour une explication. Parce que c'est ça, oui, le déficit de l'État qui n'a pas des comptes sur une série de projets. Commencer à camper, puis personne n'a pas des comptes. Mais j'ai appelé la compagnie. M'a publié et conversation à Zahodoué, interrogatoire à Zahodoué. Ok. Moi, les compagnies, je me dis, mais voici, où tu as commencé, où tu as demandé 100 dollars de bord. 60 dollars, mais côté de la rive, pas fini. Ça se passe. Bon, bonne compagnie qui vient tout, qui prend l'argent d'État, qui prend le contrat d'État, et puis là, venant, le premier ministre qu'on est, comme le contrat initial l'a doublé, triplé des fois. Bien sûr, tout ça, on va demander. Côté compagnie même qui a une responsabilité pour de supervision de c'est, voilà, mais ça va faire vrai tram pour ça. Mais ça, bon, on sait l'explication pour gagner. Par exemple, une compagnie qui fait, qui créé il y a une semaine, où est que bal un projet pour 300 millions de dollars, messieurs? Vous ne pouvez pas marcher là. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que normalement, en vous parlant en compagnie, un contrat, il faut regarder pour voir qui success story compagnie ça. Donc, le compagnie, son compagnie, quand il fait que fait, il est tombé, il bal un projet, on ne peut pas être l'argent, évidemment, il pourrait la jouer de la veille. Mais là, on a commencé à poser des questions. Et vers ça, on a privé. Mais en même temps, on a tout. Ce n'est pas tout le monde qui fait des projets dans le cap Petro-Caribé qui ont faute que fait. Moi, les 12 compagnies, il y a 8 là-dedans que j'ai interrogé, qui viennent preuve à l'appui. C'est l'État de l'Europe qui va payer pour faire un campé de travail. Il faut le courage pour nous dire ça. Il faut le courage pour nous dire. Et tout ça après étalé dans les différentes publications que nous avons faites. Nous allons voir qui est en tort, qui n'est pas en tort. Sans entrer dans, sur les plates-bandes de la justice. Quitter la justice, faire travailler. Mais même en tant que gouvernement,
mais une responsabilité tout de communiquer, c'est ça l'accountability, de communiquer à la nation les informations qui vous permettent que l'Igou est clair dans cette affiche. Parce que nous pas qu'à continuer à quitter mon abdil n'importe qui bagaille, mais en même temps, nous pas qu'à quitter mon sous soif surtout de informations que vous avez besoin pour qu'on ait effectivement qui va comme Petro-Caribé a passé. Mais, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que devant mon entrée, devant mon défaut contre les Petro-Caribé, bon, il y a un monde qui est intelligent, un monde qui est très compétent, qui dit mon l'autre jour, qui frappe. Mon nom dit carrément. Tout ministre net qui dessine une résolution, c'est pour nous commencer à mettre des interdictions de bord, pour nous mettre des scellés sous caillou, etc. Est-ce que nous acceptons ça? Non, et pas tout. Et pas, c'est pas tout à l'heure, il y a quelques monde. Mais c'est certain, moun sa va se pour nous arriver sur eux. Et moun sa va vous punir. Faut que la loi punit, il faut que la justice fait travailler. Mais moi-même, ça m'a fait, c'est chercher information, mettre à la connaissance du public. Mettre nous accessible pour tout le monde. Et puis, on a tiré la conclusion. Quand on est là, on a bien armé pour nous garder la justice pour nous voir qui ça la justice a fait avec l'information, ça va être malgré. Pas rentrer dans le travail de la justice. Même à la justice, à matériaux pour le capable de faire travailler. Bon problème dans des marchés et PPM. Alors, non, on dit par exemple, on compare. On compare qui gagne, on dit 70% déjà de corps. Que non, mais il faut que j'aime poser un wash. Et compare ça, il y a cherché, il y a des gens qui peut-être identifié, mais compare. Moun yo là, pour qui ça, il n'y a pas qu'à mettre action en public tout de suite en mouvement contre un monde qui gagne 70% comme la ramène. Mais ben, il faut que ça aille chercher, vérifier. Il y a des exemples, je vais citer des projets. Est-ce qu'on a eu des projets de dire, ah, mon avis, il prend l'âge de la veille. Un projet qui a fait, par exemple, pour 30 millions de dollars. Mon avis, il prend 10 millions, et puis je vais de la 10 millions, personne ne va me côté de passer. Ok. Je vais aller dans le dossier, je vais regarder qui va projet, t'as fait tel côté. Je vais aller côté, je vais me river, je vais jouer. Il y a des travaux qui commencent à faire. L'amour l'ingénieur Pagne qui a fait vérification avec nous, il a dit, je ne vais pas dire qu'il y a 10 millions de dollars qui dépensent là, mais qu'il y a pile quoi qui dépensent là. Ce qui a, par exemple, et on prend le Parlement. On prend le Parlement. Le Parlement n'a rien fait. Ok? Mais l'homme nos experts disent, oui, il y a un paquet de corps qui est en bataille là. Ça doit l'embaucher. Est-ce qu'il était nécessaire que le Parlement là bon la mer? Parce que c'est ça, oui, tout. Que choix qui fait de côté pour le Parlement pour faire que l'État dépense plus que l'État doit dépenser. Est-ce que c'est pas en face, on peut tout rentrer comme là? Non, attends, c'est possible, oui. Mais faute là, le global, parce que pour qui ça, c'est là même que nous avons choisi le Parlement, là, nous connaissons que terrain ça, en guise pour de fou et puis à 150 mètres. C'est à 600 mètres pour aller à 600 mètres avec des pieux. Nous voyons ici, les gens, ils se sont construits les gratte-ciels. Ah ben, mes amis, nous avons l'impression que moitié qu'on descend sans battre aller. Là, ici, ils ont construit les gratte-ciels. On a fait 2 ans, 3 ans pour faire fondation. Et puis, après 1 an, ouais, tout et hôtel l'a monté. Car l'a monté, puis tout va fini. Mais nous ne connaissons pas que 50% de là qu'on a fouillé en battre aller. Donc, on ne pas dire ça, arrivé. Et non, mais faut chercher expert qui pour garder, mais la faute de départ, c'était que peut-être c'est pas là où tu fais. Si tu fais de l'autre côté, il t'a coûté moins scope, 30 millions de dollars là-bas, ou peut-être 2 fois, ça a réalisé. Et très souvent, là, quand ça sert, qui ça vous fait débat. Ou bien deux bagailles qu'on a fait. Ou bien deux bagailles qu'on fait pour faire. Un, serrer les compagnies avec expert à évaluer sa dépense. Ou bien on va y rester comme là pour maintenant finir le travail. Ou bien, ou bien on est comme là pour le cocher. Je veux dire, nous avons des outils. Non, mais non. Nous avons le SSC, nous avons le CREF, nous avons le GF. Vous avez tout ça en amont. Je veux dire, pour qu'ils ne soient pas à retracer comme là. PM. La traçabilité de l'argent, nous avons aujourd'hui à son jeu de timonier, de la CAO, ou bien des mises en place qui vous faites, ou bien les organismes dans les États, dans les autres États. États-Unis qui gagnent un entente de partenariat entre eux-mêmes, que vous apprenez côté comme l'affaire, ou qu'à suivre. Il y a même des gens qui n'ont peut-être institution CEPM, population pas fait confiance. C'est des gens, c'est comme si vous avez dit que c'est chaque, il y a mis des suivants,
Ok, et l'autre dans l'USCC, je te pose une question ça déjà, qui a un monde dans la tête qui est dans le PHTK, qui est ministre, qui est signé, et question de l'autre, l'autre et commissaire gouvernement, ok, n'a pas venu sur la question de la justice, là, et bien qui lui-même, en fait, montrait déjà qu'il n'y a pas aucune velléité ouais, pour lui aider la population, je veux une réponse sur ça. Est-ce que le pas important pour ta gon passer, mais qui fait, pour, en fait, mettre des mounes que le monde fait confiance. Ça, c'est un élément de dialogue. De l'autre monde. Ça, c'est un élément de dialogue. Là. Enfin, il y a un dialogue là. Vous, ah, non, mais c'est certain. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont expliquer ou qui comprennent la difficulté. Parce que l'autre, il n'y a rien de pas comprendre. Je suis presque sûr. Je suis presque sûr. Hein? Vous comprenez ça? Pendant que je là, USCC est en tête. Je suis presque sûr de ça. Oh, ok. Okay? Parce que avant de bâtir, je suis signé, on a arrêté. Ce n'est pas trop tard, il est tard. Non, pas trop tard. Ensuite, ben, il n'y a pas fait comme ça. Prenons le cas du commissaire du gouvernement. On a parlé de la vérité. Il faut rassurer aujourd'hui. Il y a un homme qui a accepté, prend responsabilité ça du commissaire du gouvernement. Parce que ce n'est pas une chose facile et simple. Quelqu'un qui aujourd'hui décide d'attaquer la poussée pétro-caribéen, c'est bon bagage simple. Nous comptons ça, ça baille comme risque. Combien de gens qui a accepté d'être commissaire du gouvernement dans le cas? Est-ce que le commissaire, son paquet de faute, il fait? Oui, s'il fait faute, c'est pour nous changer. En établissant ça. Quelles sont les fautes reprochées à ce commissaire du gouvernement? Ils sont peut-être calés. Est-ce que c'est vrai? Il fait déclaration. Est-ce qu'on connaît dans pile monde tête calée qui va aller au commissaire ça? Il dit que le dossier n'a pas existé. Parce que je ne vais jamais dire ça. Ouais, débat. Il dit un paquet de paroles, le commissaire ne va jamais dire ça. Le commissaire a querellé à juge là. La saisie, la manière de saisir le tribunal. C'est opinion tout. Il choisit qu'il laisse nous persécuter, qu'il laisse nous persécuter. Mais nous ne pas dire ça, au contraire. Au contraire, dernièrement, il a fait un coup, nous relais derrière parce qu'il a fait trop. Il a pris tout le monde. Il a fait un rimage. Le commissaire, dernièrement, il a mis. Parce que tu es senti que c'est des malgouches de la pas dit ça. Pas dit ça. Je ne pas te faire un commissaire, non? Non, je comprends. Parce que je suis à l'intérieur de la chose. Je regarde les difficultés, je regarde comment, ce n'est pas facile. Parce que même pour jouer dans un monde qui peut remplacer l'autre, mais depuis autant de balagues, Pedro Caribela dit, moi-même, je ne vais pas monter le balai ça. Monsieur, est-ce que nous connaissons qui s'est pesé sous tête chaque monde qui accepte de prendre ça? Est-ce que d'après nous-mêmes, les juges, les conseillers de la Cour supérieure des comptes, ils vivent en toute quiétude? Mais monsieur, c'est bon, je vais payer. Avec que ça... Il faut des gens de courage. Vous donnez un peu de monde à parler. Courez les autres, vous venez assumer une position, ou non, il va la donner. Mais il va l'empile. Mais si l'État n'a pas vraiment bah, garanti, il n'a pas porter le gros gens comme devant. Qui garantit? Garantie, sécurité. C'est sécurité. Que... Mais l'État va en sécurité. L'État d'accord pour que, moi-même, moi, dire, le juge d'instruction qui acceptait pour un dossier, moi-même, pour les barrières fait, je vais juger là, et parce qu'il parle avec moi. Je ne vais pas juger une machine blindée. Je vais demander à la police pour mettre à disposition des agents de sécurité. Et c'est, ça ne suffit pas, monsieur. Ça ne suffit pas. Et moi, je me dis non. Et c'est ça, je vais demander. Même dans le dialogue, je vais demander ça. Je dis, monsieur, qui ça nous dit? Le commissaire gouvernement, proposez bien. Qui n'a pas accepté. Et qui a des compétences, moi. S'il a accepté, et la libre fait la compétence, moi, je n'ai pas de problème. Du tout. Même pas que le commissaire gouvernement ait un problème. Mais. Il faut que le monde comprenne que ce n'est pas un travail simple, ce n'est pas un travail facile. Il travaille avec un pile courage. Au contraire, nous demandons pour encourager nous, pour nous continuer à faire ce travail-là dans le bon sens, pour arriver à quoi? À la vérité. Nous ne pouvons pas forger en vérité, ni dans un sens, ni dans l'autre. La vérité va s'établir d'elle-même à partir des données que nous allons mettre à la disposition de tout le monde. Bon, le Premier ministre, on a bon devant notre dossier là, c'est là que le dossier Pedro Caribe est moins important. On connaît pas qu'à épuiser la soirée à l'interview ça l'a fait. L'autre candidat à la présidence, plusieurs rencontres avec tout le monde dans la diaspora. Vous êtes mon tour, c'est le candidat de la diaspora. Mais je veux dire au pouvoir, vous avez possibilité d'implémenter tout ce qu'on a promis. Qui vision réelle de la diaspora? Je suis le Premier ministre de la diaspora. Je suis candidat à la présidence. Je suis le Premier ministre de la diaspora. Ce gouvernement est un gouvernement de la diaspora. Le président est un président de la diaspora. Monsieur, comment faire président de l'UDC?
En deux mois, combien de fois je suis venu ici? Combien de fois je suis dans la diaspora? En deux mois, je n'ai pas rapide le temps, non? Je n'ai tellement de problèmes à gérer, je n'ai pas deux ans comme premier ministre. C'est deux mois, combien de fois je suis dans la diaspora? Dernièrement, mal Miami, dans l'assise de la diaspora, je prends la parole. Et je me promets, dans la mesure que je suis capable, il faut que la diaspora vote, parce que, pas oublier, c'est une revendication pour la diaspora. Il faut que la diaspora soit capable de voter, il faut que la diaspora soit capable d'élire tout. Il faut que la diaspora soit capable à l'intérieur de Sainte Balfaya. Maintenant, nous étions dans le gourmet, nous étions dans le fight, il y a la clotte, nous étions dans la manifestation, nous étions dans le craser la rue, nous étions dans toute qualité de bagarre, nous mettions l'huile dans la rue, c'est-à-dire que tout danger, on a exposé le pays à tout danger. Ça va le faire que mon temps précieux pour nous te prendre, pour nous te favoriser ça. Parce que je pense que la diaspora a un droit à ça. Et moi-même, je dis, combat pas maintenant, et je te promets, le même candidat, je réitère pour mes soins, combat pas maintenant, pour la diaspora participer dans tout ce qu'a fait dans le pays, même gens à tout haïtien de tous côtés. Après, maintenant, moi, je suis contre la double nationalité, je suis pour la plurinationalité. Moi, pour que la diaspora gagne, il y a 2, 3, 4, 5, 10 nationalités. Mais pas de problème, parce que je me dis toujours, la diaspora, en ce qui me concerne, gagne une nationalité de prédominance, qui est la nationalité du cœur, et c'est ça, c'est la nationalité haïtienne. À chaque fois, vous parlez de, excusez-moi, mm-hmm. seconde, à chaque fois, vous parlez d'investissement en Haïti, il y a un signe. C'est investissement étranger. Lorsque considérez ça, diaspora, investi en Haïti, soit en termes de transfert d'argent qu'a fait. Le Québec nous a une structure informelle, côté que nous n'avons jamais organisé le capital de l'extérieur pour venir entrer dans l'équation économique en notre pays. Est-ce que pendant ce passage-là, on va pas seulement dire de bonnes paroles, mais mettre des structures qui vont permettre de nous organiser le capital-là pour vraiment assurer une transformation économique en notre pays d'Haïti? Très bien. Et en ce qui a été à la diaspora même. Bien sûr. En ce qui a été à la diaspora, honnêtement, je suis tellement connu la diaspora. Où on est chaque fois qu'on investit dans la diaspora qui a fait en Haïti, moi toujours fais aux gens, quel que soit minimum, je investis. Pour mon capital, CIMAC, quel autre quoi? Je encourage, Noah, je encourage toute sa diaspora qui fait, parce que je crois que la diaspora est capable non seulement de porter le know-how, la diaspora est capable de porter aussi les ressources financières. Moi, je dis, et je te présenter même mon projet, je me songe, c'est les amis d'Haïti, c'est ça? Qui te fait préparer une conférence, côté que moi, je te parle, moi, je te dis, moi, je te dis un plan pour la diaspora que je te présente même. Je te présente un plan, côté que je te dis, il y a des privilèges très spéciaux pour la diaspora. Et je crois là-dedans toujours. Mais nous avons besoin de temps pour nous faire marcher. Parce que ça a participé quand même d'un consensus que moi-même m'a mené. Monsieur, nous avons ministre de la diaspora qui vient ici combien de fois déjà, qui est ouvert et à l'écoute de la diaspora. Nous ne pouvons pas continuer au courant de ça. Qui est justement, qui est ouvert à l'écoute de la diaspora, côté que, bien, on téléphone, mon concession est passée, vous voyez, on téléphone qui peut permettre que la diaspora relaye, parle, dit salve, et inscrit, et transcrit, et ça va le passer après synthèse dans le Conseil des ministres. Donc, nous branchons sur la diaspora. Nous, quand pile le monde dans le gouvernement, puis faut dans la diaspora, aussi. Donc, investissement, yo, en ce qui me concerne, si nous sommes contents, il y a un peu de signature. Il y a une signature d'investissement étranger, mais il y a une signature d'investissement diaspora. Et je me toujours dit, investissement diaspora, la permettre que nous mettions jeunes au travail. Lorsque la diaspora a bien investi, moi, je demande un moi, je pour encadrer avec des jeunes économistes, des jeunes avocats, des jeunes agronomes, des jeunes inventeurs, des notaires, que l'État a pris en charge en ce qui a trait à études qu'il a bien pour faire pour le projet en place. Donc, investissement par maintenant, l'Iguin signature, mais l'Iguin signature diaspora d'abord, parce que je crois que gagner et valeur financière dans la diaspora assez, si nous arrivons à avoir confiance, nous arrivons à avoir sécurité, nous arrivons à avoir opportunité et ouverture, la diaspora a investi de tous côtés. Alors, c'est nous-mêmes pour combien la diaspora haïtienne a investi. Aller et Costa Rica, on a saisi combien la diaspora haïtienne a investi. Mais pour qui ça va la caille, non?
diaspora a besoin. Mais ça, pas de. Excusez-moi. Bédia, faut que nous on pause et pour nous capables quand même respirer un peu. Quelle question, hein? N'a pas retourné ensemble avec lui. Mesdames, messieurs, n'a pas font parler ensemble avec le premier ministre. Hein? Donc, c'est tout Haïti ensemble avec ACA TV qui, eux-mêmes, en fait, qui nous deux a fait conversation ça avec PM, non, conversation assez ouverte. Naptoune. Voilà, mesdames, messieurs, nous retournons ensemble avec nous. Nous avons rappelé que nous avons fait une conversation très ouverte, nous avons dit, ensemble avec le premier ministre Jean Lucien. C'est en fait deux journalistes qui, avec Médecins, c'est Jean-Béliard Lucien et puis Eden Zeba de Tout Haïti et puis Jean-Béliard Lucien de ACR TV. Alors, et Médecins, nous avons abordé la question diaspora, bien entendu, nous faisons un tour d'horizon sur. Et plusieurs autres aspects, nous parler sous question pétro-caribéa, que moi-même m'estime que il y a quelques autres questions que nous allons poser sur lui. Mais étant donné que nous sommes fermés avec auditeurs sous question diaspora, et question, dernière question sur le dossier diaspora, et ce sont des tests que nous avons fait. Et tests, c'est. Alors, nous connaissons l'un élément diaspora rentré en Haïti pour la régler un business, par exemple, et le bon temps limité. Il y a une semaine ou bien deux semaines. Et quel que soit professionnel qui a Haïti, eh bien, il joue sous temps avec la diaspora. Il fait que une semaine ou bien deux semaines n'ont pas passé parce qu'il connaît, n'est que dans la diaspora pas qu'à arrêter plus que deux semaines en un pays. Maintenant, et qui sa administration a fait déjà, ouais, et pour antigen, et rendre le processus plus court. Et l'homme, on a réglé un business, ou un business dans la diaspora pour faire un, deux, trois et puis retourner. Bon, alors, je suis bien content de venir sur cette question. Ça, nous avons passé sous lit et nous avons parlé de lit. C'est une reproche que nous avons fait. Nous avons un ministère des Haïtiens vivant à l'étranger que nous avons utilisé. Le ministère, c'est pour ça là. C'est pour être utile à la diaspora. Là, nous avons n'importe quel problème. C'est à le ministère. Nous avons à qui accueillir nous. Nous avons comment le ministre, avec l'équipe, après question en main, question posée là. Avec un problème avec un professionnel, il n'y a pas qu'à résoudre. Mais c'est à le ministère. Et le ministère là pour le répondre. Et je garantis ça. Prochaine fois, aller avec n'importe qui bagaille, ou bien n'importe qui monde. Aller avec le bagaille qui a un problème. Aller dans le ministère haïtien vivant à l'étranger. Et si vous avez gagné une idée, une simple idée, que vous n'avez pas pris en considération, venez jouer comme premier ministre dans l'attitude que vous avez gagné. Parce que c'est pour ça. Donc, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, il n'est pas là pour faire conférence chaque 21 avril seulement. Il est là pour que les mettent au service de la diaspora, répondre aux besoins de la diaspora et montrer la diaspora que véritablement, ils sont une composante de la vie haïtienne. Et c'est pour ça, moi, invité la prochaine fois à aller, d'ailleurs, avec le bureau que nous mettons à aller au diaspora. Donc, voilà, très facile pour nous capables de faire des oreilles, président. Tout grief que nous avons gagné contre les agissements de professionnels de d'une part ou de, du ministère lui-même. Maintenant, et Petro-Caribéa. Petro-Caribéa, bon, voilà. Quand on entend les souris, il y a deux bagages qui ont besoin d'attirer l'attention de mon souris. Nous sommes capables, nous n'avons pas signalé les efforts que nous avons fait. Semaine ça, samedi dernier, je fais une adresse à la nation. Côté que je fais, il y a un bagage inédit dans le processus pétro-caribéen. Moi, je dis un bagage, je ne vais pas dans le monde que l'État haïtien, je dis, n'a pas travaillé avec les conseillers juridiques pour que l'État haïtien lui-même aille porter plainte contre le monde qui détourne l'argent pétro-caribéen. Je ne vais pas le monde parler de ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Que l'État haïtien, loin de monde, qu'elle est constituée tête de partie civile, conditions à faire, etc., etc. Je vous dis, c'est l'État haïtien lui-même qui a voté plainte. À travers DGI. Exactement. L'État haïtien représenté par DGI et comme en matière de justice, mais la DGI va porter plainte au tribunal contre monde qui
détourner l'argent Petro Caribe. Alors nous connaissons le premier volet et PMC en question Petro Caribe. Il y a des gens qui font aveu. Il fait aveu public. Il fait aveu public. Il dit que c'est lui dit le volet propre Petro Caribe. Est-ce que n'a pas été prêt? On va donner ça. Beaucoup d'entre eux sont dans les mêmes. Ah, vous voyez. Il dit que t'es investi. Rancho. Ils font aveu. Non, bon, vous voyez pour moi, mais dans le cadre de Petro Caribe, sérieusement, n'a pas cherché et nous gagnons des pistes déjà à travers le travail nous fait dans ta source là. Mais qu'on est consulé des comptes a fait travail par là pour le résultat au mois de janvier. Mais qu'on est gagné travail qu'a fait au niveau du tribunal, quel que soit gens capables de questionner ce qu'a fait là, n'a quitté tout le monde fait travail. Mais ça est important, c'est pour le peuple jouer une réponse à la question que ça a posé hein, côté quoi Petro Caribe. Deuxième bagage de besoin qui est extrêmement important. En plus, mon commande, Petro Caribe, c'est mon dans la rue seulement qui l'intéresse. Mais il intéresse le gouvernement au premier chef. Est-ce que nous, quand on a une série de COP gouvernementales pour joindre, dans l'appui budgétaire, dans l'aide que les pays ont fait, l'autre jour, j'ai rencontré le représentant de l'Union européenne, il dit clairement, comment aller demander de l'argent à mes contribuables, là, nous connaissons une COP qui passe en Haïti. Mon de la donc ça veut dire il y a des corps soit été bloqués parce que nous pouvons arriver dans un pour ça plutôt caribéen. Donc le gouvernement est intéressé au plus haut chef, même Jacques Mounio. Moi-même, tout le monde de corps plutôt caribéen. Je me demandé l'avant-hier, je me dans le gouvernement pour que ça veut dire en bas. Et il est important pour moi pas dans le gouvernement parce que il y a des instances internationales qui sont plus à l'aise avec nous si on est pour ça marcher et qui offrent service. Si nous voulons mettre des experts à disposition pour aider nous dans le travail de recherche à faire, il n'y a pas rien pour faire. Vous savez, vous avez proposé en commission, tout le monde a mis des deux dans la tête. Bon, en tout cas, je vais regarder, je connais bonjour, c'est le monde qui va demander côté commission. Mais, pour être PMC, à propos, on va plus me dire de retour, débattre moi. Nous, le problème de la gouvernance en un pays, c'est un problème sérieux. C'est ça qui mettait nous là côté de nous, je veux dire. L'unique pays PMA, pays moins avancé dans toute zone. On n'a pas de 3.8, 1.8, peu importe, toutes ces les billions qui ont frappé le bagage en pays. Je dis à nous qu'on est avec collision qui existait, qui sont anormalités entre législative, l'exécutif, gouvernement. Est-ce que le gouvernement a pris une décision, disposition pour nous freiner pratique côté en série de groupes, monde posséder en série de organismes concentrés ou déconcentrés de l'État. Non mais on a parlé de la douane, on a parlé de DGI, on a parlé de série de l'autre institution qui baille l'argent et c'est dans mon série de groupes, monde qui contrôle les bagages. Est-ce que le gouvernement l'a rapatrié? Très bien. Songez de m'aventurer dans une déclaration politique généralement, moi dit, on va mener un combat contre la contrebande, combat contre la corruption. Ça va participer de ça. La bonne gouvernance, il est inscrit dans la déclaration et la transparence. À partir du moment où nous voulons faire bonne gouvernance, nous voulons faire transparence, nous voulons mener un combat contre la corruption, contre la contrebande, nous n'avons pas qu'à gagner une institution qui appartient au monde. Donc ça, moi j'ai dit ça. Dans l'île de Mbrale, la douane, je dis c'est pour mon lié. L'autre jour, moi personnel, moi quoi nous voyons la télévision, moi monter la douane et l'homme rivé sur place, ça m'a fait la douane. Je me dis, mais si c'est bon, on y est, on ne s'est pas là de fier. Est-ce qu'on a quoi? Je suis arrivé à Bolaka, je ne sais pas si nous connaissons. Je suis premier ministre, avec toute l'équipe, on nous connaît. Premier ministre, il y a une sécurité. Nous campons, un petit bateau est passé comme ça devant nous, plein de marchandises, que nous avons pris dans le quai dominicain, nous passé devant la douane. Je me dis, monsieur, ça a passé là. Je me dis, mais ça va nous faire, nous allons gagner un café. Mais c'est connu, hein? Nous allons acheter un bateau pour nous mettre sous la table avec la police pour empêcher que le trafic l'a fait. Est-ce qu'on a quoi? Barrière la douane est tombée pendant longtemps, personne ne va jamais remettre la barrière à camper. Peut-être si ça a été fait, nous allons avoir des drames à son conditionnif. Des petits bagages simples, dit monsieur, même des polices couchées pour mettre à terre, pour faire que la machine pas qu'on court, il passe. Il est obligé de camper. Il y a des petits bagages qui côté baronné ici, nous voyons. Oui, peut-être qu'il y a des dents. Oui, avec des gens passés. Exact, des cas où tu vois. Exact. Des bagages bien simples, pourquoi besoin d'investir en pile cob pour capable arriver
contrôler. Ensuite, l'organe de la douane, les gens qui sont habitués à Saint-Domingue, donc on a passé sur le frontière mal passe. Côté pour tourisme, c'est le même côté pour marchandises, c'est pas normal. Donc, il faut qu'on côté, ou capable d'avoir un espace pour faire conteneur au campé, ou qu'il y ait un contrôle douane qui a fait sous lui, et puis tout ça passe normalement. Donc, tout vous me c'est d'eau, tout le monde mélangé. Si c'est un monde là qui met la douane, on n'a pas de fier de ça. Mais l'État va mettre l'ordre. Et l'État a commencé à mettre l'ordre. Nous voyons ça commence à passer. L'État va mettre l'ordre. Même dans la poussière, monsieur le Mouivé, État poussière, me dit, monsieur, nous dit, inhumé pour nous mettre des agents douaniers qui travaillent dans conditions ça. Eh bien, déjà, nous prenons disposition, ou ça commence à se falter. Donc, nous avons fait des bagailles, nous venons avec bonne volonté et détermination. Non? Nous avons besoin de chaque, pour que nous encourager le travail qu'a fait là. Et demandez-nous de regarder, critiquer le gouvernement. Moi-même, mes collègues, les journalistes me demandent ça. Critiquer le gouvernement. Pas détruire le gouvernement avec des bails qui passent avec des mensonges. Mais critiquer le gouvernement dans ça qu'a fait qui passe ça. Mais ça qui fait qui ça tout, il faut nous reconnaître pour nous encourager. Ce n'est pas moi qui besoin d'encouragement, non. Moi-même, chaque jour, moi, le ministre, moi, le fond, moi, le directeur de la police m'a profité encore, féliciter la. Dans la télévision et dans le micro. L'évêque de Michael Gédéon. Michael Gédéon. Le travail, l'accompagnement, l'encadrement que la baille de la population. Dans tout ce qu'a fait, avec 16 000 policiers, messieurs, vous, 11 millions d'habitants. Nous, on a dit, un policier pour 700 000. La République dominicaine, nous connaît. C'est 55 000 policiers pour la même population. Nous avons dit lors d'une interview, Paris. C'est 75 000 policiers pour la même population. Donc, là, je regarde moi, la police, là, après réaliser ça, après réaliser, là, je vous dis, par un ministère, la police a pour compter. Les maigres moyens. Et pas même tout policier qui a des armes, messieurs. Donc, moi, je crois que, faut que nous conscients, nous avons l'effort qu'a fait. Nous avons continué à faire effort. Et là, nous encourageons, nous, dans l'effort qu'a fait, nous ne faisons plus effort. Mais l'occasion, tout ça, mon affaire, on dit la police n'est pas bon, la police n'est pas corrompue, etc. Moi, je dis, monsieur, pas fait ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de corrompu. Il y a un peu de côté, il y a un autre côté. D'ailleurs, on a combattu la corruption à l'intérieur de la police à tout, mais il y a des efforts à faire et demander pour tout le monde reconnaître ça. Alors, et puis, pour tout rentrer, parce que je dis deux aspects, je vais aborder avec vous, je vais aborder emploi, avec sécurité. Donc, comme tout parler de la police, là. Maintenant, bon, bien entendu, et en plus, le monde. À pas admettre que, je dis, il y a des zones dans le pays, ou bien trois cas pays invivables, avec un problème d'insécurité. Maintenant, ou saluer effort et chef de la police, là, j'en dis là, qui n'a pas de trop moyen. Maintenant, qui ça, ou prend comme disposition, parce que, ou c'est chef CSPN, là, en tant que premier ministre, donc, nous, ouais, par exemple, on ministre, il doit avoir n'importe 7 policiers d'elle, et puis, moun pa ka passer Matissan pour aller travailler et nous on sénateur gen doit gen 3 4 policiers dans backup et puis moun et pa ka vivre dans population qui s'opren comme disposition pour rendre peu de policiers que nous gen yo et bien mettez yo pour aller mettre au service population. Mais moi critique m'attend yo. C'est ça m'attend comme critique. Faut nous déjà nous commencer par une disposition pour rationaliser l'utilisation des policiers. C'est vrai, ça veut dire, il y a des gens qui ont 7, 10 policiers derrière, et puis, on a besoin de 2 policiers pour mettre dans une zone, on ne peut pas rien, on a rationalisé. On a essayé, j'ai un moyen pour nous armer la police, j'ai pour l'armée, professionnaliser un peu plus chaque jour, mais on a rationalisé le tout. Et en cela, le directeur actuel de la police, il est tout coup de main et on a travaillé tous ensemble. Non, c'est SVN, c'est moi le problème qu'on a posé, je veux dire. Les mesures sont en train d'être prises. N'a pas eu. Mais en même temps, depuis que je suis entré, ou dit, Jean Bélia, c'est sous les feux de la mitraille que je suis entré. Pas vrai? Oui. Depuis que je suis entré, nous n'avons rien temps pour travailler, mais nous travaillons quand même. Nous n'avons rien temps pour dormir. Nous travaillons toute journée, toute la nuit, pour porter solution à bon problème. Ça, le pays a son pays qui a un problème de tous côtés. Dans tout domaine, le pays a un problème. Nous avons essayé. Chaque côté est capable de porter des solutions, nous porter des solutions. C'est travail, non, c'est pour ça, nous dévouer tête, non. Mais maintenant, nous avons besoin un peu de paix dans le pays. Nous avons besoin de la stabilité. Pour gagner la stabilité, il ne faut pas des manifestations chaque jour. Il ne faut pas des manifestations violentes. Manifestations, nous d'abord. Il faut des manifestations. Il faut des revendications. Il
faut le faire dans de bonnes conditions. Mais depuis, c'est la violence. Nous voyons qui résulte le bail. Malheureusement, depuis ça et PM, manifestation et pacifique, il n'y a pas de résultat. Parce que plusieurs manifestations ont été faites pour dire au gouvernement, pas la direction ça y aller, c'est comme nous faire violence. On dit, on dit. Mais ce n'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Dans tout pays, manifestation qui fait sans violence, il va avoir un résultat immédiatement. Mais pas oublier manifestation, c'est qui ça lié. C'est un groupe monde qui décide de crier haut et fort revendication pour changer l'opinion publique. C'est l'opinion publique qui a cherché. À part Petro-Caribé, c'est pas violence qui fait Petro-Caribé à bas résultat. Là. C'est quantité de monde, c'est Petro-Challenger et manière que vous faites que l'opinion publique. Là, regardez comment nous, oui, monsieur. On va y sortir nos jouets, et puis qui vient, je dis, comme vous te dit, c'est un grand détonateur lié, et tout le monde entre là-dedans. Nous-mêmes, le gouvernement entre là-dedans. Ils sont bons bagages pour nous. C'est un carburant lié. Pour permettre que le travail n'a fait à mon comprendre ni, et mon qui peut fâcher, pas qu'à fâcher. Parce qu'il y a pour comprendre, je dis, même pour jouer une courbe étrangère, il faut que nous résoudre le problème. Ça. Oui, mais qui, alors, et. Je veux retourner sur la question de sécurité. Hein. Parce que nous parlons de diaspora, et pour diaspora, rentrer dans le pays, il faut. On parle de mesures. De mesures. Non, même pas où, même pas où, c'est de mesures. Non, mais ouais, la police a mené une guerre sans merci contre les gangs. Bah, oui, ça. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est ça, m'a dit, ah, oui. Il y a des gars de l'œil, il y a des informations de baguette. Monsieur, Jean, cité de Dieu, la police en dans cité de Dieu, En pile côté de la police là. Il y a des travail qui a fait. Travail de police, pas oublié. Travail de police, là, il y a 16 000 policiers selon 11 millions d'habitants. Travail de police, il n'est pas tellement dans l'utilisation de la police en tant que telle, mais surtout dans l'intelligence. Et l'intelligence a développé. Abanou, les informations, je dis à cartographie. Le développement des bandits, nous avons gagné. Nous connaissons la cartographie, nous connaissons qui est le monde. Quand on côté, monsieur, nous avons la paix. Quand on allez à Kaye, allez à Kaye, on a pu ça passer. Allez à Kaye, si je dis, de côté, on ne peut pas passer. Mais ouais, il y a des travaux qui sont faits. À Kaye, il y a des gens qui disent, le soir, 10h11 du soir, le peuple a marché dans la rue. Donc, quel est le effort qu'a fait dans ce sens-là? C'est vrai, quand on dit des bandits, pas oublier, qu'on a une grande précarité tout. On peut faire apologie du banditisme par rapport à précarité, mais précarité a produit un pile banditisme. Donc, ou bien, en même temps, on va combattre le banditisme, c'est en même temps tout pour travailler, pour faire création d'emplois, pour travailler, pour relancer l'économie nationale, pour relancer la production agricole. Et tout ça, monsieur, ça va être qui ça? Ça va être des stabilités. Pour faire, il faut un investissement. Investissement diaspora, investissement étranger. Et pour qu'on investisse dans sa fête, pour que ça soit encouragé de investir. Il n'est pas bien investir dans le caoutchouc à bouler toute la journée. Il n'est pas bien investir côté qu'on est passé, on est tiré en balle et puis on l'autre mourir. Il n'est pas bien investir côté qu'on va mettre et ville en danger. Nous avons un ami dans la diaspora qui compte bon moins en définition de l'argent que moi-même en pile. C'est peut-être ça qu'on va faire une édition. On ne peut pas compter ce qu'on définit. Oui, oui, oui. L'argent, c'est de l'eau qui prend courant la courir. Depuis que l'obstacle dans l'autre côté. Oui. Tout ça n'a pas en Haïti, messieurs, qu'on s'ajoute là, qui a mis des pays en instabilité, c'est obstacle qu'on a mis devant possibilité d'investissement, devant l'argent. L'agent Sahel, il y a les là-bas, il y a la côte République dominicaine, il y a les Bahamas, messieurs, Bahamas, Mandili, Bahamas vit seulement de tourisme, messieurs. Al Bahamas, pour nous, qui ça Bahamas gagne, nous pas gagne. Qui ça nous gagne, Bahamas pas gagne. Combien de jours vous pensez créer pendant le passage? Ça dépend de qui job n'a pas parlé. Alors, moi, nous avons besoin de 600 000 jobs. Il y a une pile nécessité pour que y ait une pile de jobs créés. Ouais. Je ne sais pas combien de temps je fait. Je ne sais pas combien de temps je fait. Non, mais pas de tout. On dit que 3 ans, ça, président. Au moins, pour nous aider dans 100 000, pour nous créer au moins 100 000 jobs chaque année. Encore une fois, on fait la fin de l'émission, malheureusement. Et. Nous connaissons l'an dernier, dans tout gouvernement, surtout de nos jours, ça a eu l'intelligence diplomatique là. C'est-à-dire des de ressources humaines qui ont la diplomatie, c'est ça qui vaut diplomatie intelligente.
Et nous connaissons qui problème nous gagne au niveau de la diplomatie. Qui ça gouvernement l'a fait pour nous résoudre ce problème ça? Bon, ouais, et depuis avant de venir, président des conseils de disposition, et pour assainir la diplomatie. Il y a des dispositions qui sont sauvages parce que, bon, il y a des jambes à être faites, mais nous connaissons, messieurs. Nous connaissons le pays, nous. Nous ne sommes pas capables de mentir, nous, on a clôt. Nous connaissons que nous avons un sur-effectif dans la diplomatie. Mais nous connaissons les choses. Nous avons un monde valable dans la diplomatie. Et je dis, nous avons cherché dans la diaspora, même, qui pour, dans le cadre de ce dialogue, qui pour entrer dans la diplomatie, qui pour gérer avec nos diplomaties, nous ouvrons à ça. Et c'est une bagarre que nous comme message. Nous parler pour que la diaspora, à travers la voix de débat, à travers la voix de Jean Béliard, à travers la voix des autres, que la diaspora fait des propositions. Des propositions pour le personnel dans la diplomatie, mais pas seulement pour le personnel, sur la manière de gérer la diplomatie. Nous ouvrons à ça. Et je vous dis, grâce à Dieu, nous avons des consuls, nous avons des ambassadeurs qui sont à l'écoute et qui sont prêts pour tendre nous, pour travailler avec nous. C'est une bagarre que nous voyons comme message. Il faut que ça cesse, que consul ou bien ambassadeur vienne comme un grand orient, ou bien un consul là, ou bien un ambassade là, et puis il prend distance avec la population. Non. Il faut que consul là, ambassadeur, vive en partenariat, en harmonie avec la population. À l'écoute de la population, ça vient pour faire la même école, le même ministre des Affaires étrangères, là, surtout dans le Premier ministre, avec le président de la République, qui sont ouverts, je dis, à un. Et diplomatie, je ne vais pas dire diplomatie comme l'autre des Affaires, mais à une diplomatie agressive qui doit vendre ce que nous avons de beau, de bien en Haïti, à vendre notre cher Haïti. Pour qu'elle redevienne la perle des Antilles. Alors, PM, et nous faisons un pile effort, nous posons plusieurs questions. Et je ne sais pas si ou même gagnez un aspect, une question pour t'avoir répondre, et que nous-mêmes nous pas posons là. Question pour répondre à ces questions de diaspora, justement, pour tourner sur les ou poser le mais on va aller plus loin là-dedans. Le diaspora qu'on a aujourd'hui, lycée extension d'Haïti. Il n'y a pas un bon Haïti, un autre bon. C'est extension d'Haïti. Il y a un premier ministre qui est là, avec un président qui était déjà en bonne disposition, pour tendre la diaspora, pour travailler avec la diaspora. Je suis venu autant de fois que nous voulons. Et nous-mêmes, tout, ça que nous voulons. Même si nous avons des bagages. Que moi observé dans la diaspora, et qui ne fait pas trop plaisir. En pile fois, je sentis la diaspora. Ils sont extension d'Haïti, pas seulement extension territoriale dans l'esprit, non, mais extension d'Haïti tout même dans le mauvais comportement. Nous ne sommes pas ressentis la diaspora, je dis pour nous donner, voulons mettre tête ensemble tout, pour nous avoir une diaspora qui est représentative à travers des mondes que nous connaissons. Je dis, nous avons besoin de parler de la diaspora, mais à qui le monde veut parler, nous voulons ça. Regardez comment je dis, deux journalistes, Chita, à l'aise, sans problème, nous posons des questions. Mais ça dans la diaspora. Que diaspora embrasse pour les haïtiens, le poser entre eux-mêmes. Et puis, diaspora dit, la diaspora parle d'une seule voix. Que diaspora à New York, la diaspora à Miami, la diaspora en France, que la diaspora haïtienne parle d'une voix. Vous êtes une force. Et utilisez cette force que vous êtes. Vous avez des gens qui sont là, au pouvoir, qui ne vous attendent pas, parce que vous croyez que nous-mêmes, tout nous fait partie du pouvoir. En nous mettant nous ensemble, en fait harmonie entre diaspora et Haïti, pour que Haïti a l'écrit, l'écrit avec un pile I qui traverse l'océan, qui vient juste pour ici, là, calé New York, calé Miami, calé au Canada, calé tout côté. C'est ça, je souhaite que diaspora, lui-même toujours dit, entre dans le dialogue de la pour que ensemble nous fassions une. Parce que Haïti, il a besoin de diaspora, il a besoin de monde en Haïti, mais son seul Haïti a gagné, son seul qualité haïtien a gagné. Tous ces petits pays. Merci. Merci. À tantôt. Okay.